Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ce pack BO3, cette édition collector, l'édition Juggernaut. Donc c'est parti, on ouvre ça de suite. C'est donc parti pour l'unboxing de ce pack. On va commencer tout de suite, hein. Pas de temps à perdre. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, voilà, j'ai sympa. Enfin, il est sympa. On va dire qu'il est bien travaillé. Ils ont pas mis un carton merdique. Et on va commencer par le commencement. Donc, déjà, dans ce pack, qu'est-ce qu'il y a? Bien évidemment, le jeu BO3, hein. Avec à l'intérieur, on peut trouver alors. La map Nocturne, c'est déjà une bonne chose. Il y a aussi The Giant, le remake de la map Dark Rise pour ceux qui connaissent. Deux camos. Bon, j'espère que le téléphone. Enfin, la qualité, j'espère qu'elle va pas être trop dégueu. J'enregistre avec le téléphone. Donc il y a deux camos, la map Dark Rise, enfin The Giant, hein, Dark Rise, un remake. Et la bande son officielle de BO3. Et également, le season pass, à pas oublier. Très important. Hein. Donc ça, c'est pour commencer, c'est pas le plus important, mis à part le jeu. Et là-dedans, qu'est-ce qui se cache? Alors dans ce carton-là, on va l'ouvrir de suite. On va le découvrir ensemble. Hop. Donc désolé, hein, je suis tout seul, si ça fait des plans un peu chelou. On va le sortir de son emballage. Je pose le téléphone deux secondes. Voilà, je suis de retour. Ah ouais. Je scotche un peu partout. On enlève la première couche. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'emballage est lui déjà bien travaillé. Ils ont pas fait semblant. Le carton est vraiment sympa. Bon. Il est vraiment bien foutu. On peut faire un... Ça pourrait faire un bon poster, déplié complètement. Ils ont vraiment bien travaillé la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur? Cet objet collector qui s'est déjà vendu comme des petits pains. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On commence avec ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? On ouvre de suite. Ça, c'est de la qualité. Alors ça, ce sont des dessous de verre représentant, bon, il n'y a pas tous les atouts qu'on peut trouver dans le mode zombie, mais les principaux. Donc le mastodonte, le quick revive, double coup et passe-passe. Et on peut voir que c'est pas du brun. Moi, je m'attendais à avoir des trucs en carton un peu chelou, bah comme on peut voir d'habitude pour les dessous de verre, mais c'est des trucs en caoutchouc. On peut voir qu'ils sont résistants, on sent le fichier que c'est pas de la merde. Donc dans son emballage, la petite boîte métallique pour le ranger. On va poser ça à côté. Hop, hop. Emballage. Ensuite, on a le steelbook BO3, vachement sympa. Bon, juste pour information, c'est la première fois que j'achète un pack collector. C'est
Là, c'était un truc zombie, je pouvais pas passer à côté. C'est vraiment la première fois que je me paye un truc comme ça. Donc, le steelbook, pareil, vachement sympa. Une face représentant le multijoueur, une face représentant le zombie. Je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et l'intérieur est aussi décoré. Hop. Fais le focus. Non, t'as pas envie. Bon, c'est pas grave. Donc, le steelbook. Hop, on va mettre à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Plein de papier. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Ah, ouais, j'avais oublié les étiquettes représentant les spécialistes que l'on peut trouver dans le multijoueur. Donc, désolé si je vous fais des plans dégueulasses avec l'appareil photo et la vidéo là, mais c'est pas évident. Hein. Je couperai les morceaux les plus dégueux. Voilà. On va y arriver. Donc je vais virer ça. Juste. Le temps 2. Je vais le mettre où? On va se mettre là. Hop. Voilà. Donc les images des différents spécialistes qu'on peut trouver en multijoueur. Avec, je suppose, la description derrière. Et donc voilà. Nomade, avec ses caractéristiques et l'arme disponible, la capacité disponible. Ça avec chaque spécialiste, c'est pareil, c'est des cartes assez épaisses, ça fait un peu PVC. Carte collector, hop, voilà, on a fait le tour des cartes. Ensuite, bon, on va continuer le déballage. Alors là, il va y avoir des notifs, des machins, des trucs pas très importants pour vous du moins. Donc on enlève ça. On retire ça. Alors attendez, je vais descendre l'emballage, je vais foutre par terre pour pouvoir foutre le truc sur le bureau. Je pose le téléphone 2 petites secondes. Me voilà de retour. Donc hop, je vous sors. Le principal, ce que j'attendais le plus, le mini frigo. Il y a tellement eu peu d'exemplaires, les gens en veulent, mais c'est parti à une vitesse. Et c'est bien que Trierge n'en ait pas fait, n'en ait pas refait justement, que ça reste un objet collector, non pas quelque chose qui soit sorti à un nombre incalculable d'exemplaires. Là, il manque quelque chose. Non, il n'y a rien. On va l'ouvrir. Voilà, c'est là. Hop, on va virer le carton. Donc on est d'accord sur le fait que ça reste un objet collector plus que quelque chose d'utile, on va dire. C'est un objet qu'on prend plus, ouais, voilà, pour son apparence, pour ce que c'est, que plus que pour son utilité. C'est dans le frigo, capacité. Je sais plus c'est combien qu'ils ont donné, mais à mon avis, en fait, ouais, 12. Je pense que 4 canettes à chaque étage. Ouais. Pour être sur la capacité. Donc, hop, on fait ça là-dedans. On va déballer ça. La tête. On vire ça. Alors, comment ça se met cette connerie? Comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus. Ah si, c'est comme ça. Voilà. Juste forcer un petit peu. Et bien, on va le refermer. Il a de la gueule quand même. Franchement, il déglingue. Ils ont vraiment remis tous les détails qu'on peut trouver sur le masto sur les mauvais zombies. C'est vraiment bien foutu. Donc là, je vais faire une petite pause histoire de le brancher et de vous faire montrer ce que ça. Voilà les gens, ça y est, c'est branché. Franchement, ça déglingue ou pas? Avec le logo éclairé, on entend le petit ventilo derrière, comme quoi il refroidit.
Je sais pas si vous allez bien entendre avec le micro. Allez, écoutez, quand on ouvre. Ça défonce. Et apparemment, il y en a plusieurs différents. Ça déglingue. On continue, je sais pas combien il y en a. Ah, il y a trois sons différents. Alors franchement, vraiment pas déçu. Je suis vraiment très content de ce truc là, de mini frigo. Il est terrible. Super bien fait. Avec la tête éclairée, les petites musiques quand on l'ouvre. Les petits interrupteurs derrière. Bon, ça reste pas allumé. On peut ne pas les allumer en permanence. On peut éteindre ça, on peut éteindre la musique, laisser marcher que le frigo. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment super bien foutu. Donc on refait le tour du pack. Hein. Donc le mini frigo. On a eu les cartes représentant les spécialistes que l'on peut trouver en multijoueur. Le jeu, forcément. Avec Nocturne. Avec aussi le Season Pass. Avec la map The Giant, remake de Rise. Il y avait aussi un code pour télécharger la bande son de BO3 à télécharger sur le site Call of Duty. Il y a eu quoi? Il y a eu aussi les dessous de verre dans leur petite boîte métallique. Dessous de verre, alors, franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça. Je m'attendais à des trucs en carton basique qu'on peut croiser partout. Mais ils sont vraiment bien travaillés. Ils sont, on sent que c'est pas de la merde quoi. C'est solide, c'est en caoutchouc. Franchement, ouais, bien. Ils ont fait ça bien. Donc voilà les gens, on arrive au bout de cette vidéo, on a fait le tour du pack, donc j'espère que ça vous aura plu, hein, malgré la qualité vidéo que j'enregistre avec mon téléphone. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, je vais reprendre des vidéos maintenant que BO3 est sorti, qu'on a du mode zombie, on a du tuto à faire en masse, je vais reprendre des vidéos bien comme il faut. J'ai mon setup qui est pratiquement complet. Donc on voit pas bien, c'est vachement sombre. Là j'ai la PS4, l'écran bah, pour PS4 et pour la PS3. Voilà le téléphone. Le point, l'écran du milieu, mon écran PC. Un petit tour vite fait, hein. Profite de la vidéo. PC Gamer, ma 360, mon Xbox One. Bon, l'écran Xbox, hein, vous l'avez deviné. Donc voilà. Donc je vous répète les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. Ciao les amis.